Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de notre aventure sur BioShock, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc dans la zone des Phaistos, donc le quartier des industries de Ryan, donc on va bientôt essayer de rejoindre Ryan, donc Atlas a réussi donc à nous faire rejoindre cette zone. Oula, attendez, ça s'active, il y a des gens autour là? Non? Non, ça a l'air bon. Donc on avait réussi à se débarrasser de Sander Cohen, le vieux psychopathe là, avec tous ses spectacles. Et donc on a rejoint cette zone qui est un peu plus sombre, un peu plus rouge. J'aime bien les effets de lumière. Par contre, il y a un petit peu du monde, j'ai l'impression. On va tenter de faire un truc. On va essayer de balancer un tonneau. Alors je sais pas où sont les ennemis, mais... Ah, regardez, ils sont là. Hop, alors je crois pas qu'ils soient morts. Voilà, je crois qu'on les a eus. Donc j'essaie de varier encore, hein. Vous savez, j'aime bien tester un petit peu toutes les possibilités, pardon, pour tuer nos ennemis. Allez, ramasse tes dollars. Ah mais, ok, j'ai trop d'argent. Tiens, si je m'attendais à ça. Il va falloir que je trouve le moyen d'acheter 2-3 petites choses pour m'en débarrasser alors, parce que sinon ça va être gênant, hein, si on commence à être trop riche, au point de plus pouvoir mettre de billets dans nos poches. C'est assez grave. Voilà, Ryan Industries. Donc je vous avais parlé de ces engrenages et tout ça, là, de ces effets de fumée, il va y en avoir dans tous les sens. Vous le sentez, n'est-ce pas, Andrew Ryan? Mon père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ouh là 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 là, alors ça donne pas trop envie, il y a légèrement un mec qui s'est fait éclater la cervelle. La vache! T'es qui toi? Boost! Ok, j'ai cru que c'était un maître un peu plus balèze, mais j'ai un petit peu gaspillé mes munitions pour rien. Ok, je regardais un petit peu ce qu'on avait au niveau de nos munitions, justement. On n'a plus grand-chose, sauf au niveau de la mitraillette et du fusil à pompe. Tout le reste, c'est vrai qu'on est un petit peu à la ramasse. Boost, 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 boost. C'est bon. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une tourelle ici. Donc on va essayer de, notamment, voilà, tiens, si on peut acheter des trucs... Allez, passe! On va essayer de voir si on peut pas... acheter des choses intéressantes. Ah, ça pourrait être sympa. Ça, on en a déjà plein. Ah, ça coûte vachement cher, en revanche. Ouf! Ça va, 260$ le piratage, on va éviter. Allez, on va acheter... Voilà, quelques munitions de mitraillette, tant pis. Même si j'en avais déjà pas mal, c'est juste histoire de se débarrasser un petit peu de l'argent qu'on a sur nous. Est-ce qu'on pourrait pas aller là-haut, tiens? Est-ce qu'il y aurait pas une espèce de secret ou je sais pas quoi? C'est vrai qu'on y voit pas grand-chose, mais... Ah, regardez, il y a un cadavre. Ah, il y a quelqu'un qui en a profité pour s'incruster en bas. Ça, c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que si on arrive à rejoindre certaines zones, les zones plus ou moins cachées, hein, comme celle-ci, ça fait souvent apparaître des ennemis, enfin, ça fait apparaître des petits événements. On va lui exploser la face. Par contre... Hello! Hey! Hey, mais il s'est tué sur nous, en fait. C'était quoi cet effet d'ombre? Ah oui, mais c'est vrai qu'on a mis un plasmide pour améliorer les dégâts d'électricité qu'on fait. Je pense que c'est grâce à ça. Alors, c'est très silencieux ici. Ah, il y a encore une machine. Pellicule. Chevrotine, non. Ah, ça j'en prends. Allez. Et on va écouter ce journal en fouillant un petit peu cette zone. J'ai passé l'après-midi à essayer de me rapprocher de la porte de Ryan sans me donner en spectacle. Mais il est sacrément bien protégé. C'est impossible d'entrer là-dedans. Ce que j'ai obtenu, c'est le regard effrayant des chromosomes de Ryan. C'est la récompense qui vous attend si vous essayez d'être plus malin que le meilleur ingénieur électricien de sa génération. Ok, donc Ryan est protégé par une espèce de porte et visiblement, on n'est pas les seuls dans cette salle. C'est quoi ça? Oh, mais c'est cool, il y a plein de trucs qui tombent. Oh oh. Ah! Boum! Ça vous apprendra. Allez, vous pouvez même faire tomber d'autres trucs là, s'il vous plaît? Non, c'est fini? Bon bah c'est fini. Il y avait que eux deux, donc... ils ont tous des kits de soins sur eux, c'est pratique ça. On va prendre quelques photos d'ailleurs. Ah ouais, ça marche pas, là ça marche pas. Est-ce qu'on peut prendre une photo de ceci par hasard? Oui, j'étais pas encore au niveau maximum de ça, tiens. On va s'en débarrasser, par contre, j'ai pas envie de la garder celle-ci. Hop, parfait.
Là-bas, on peut fabriquer quelques objets. Je pense pas en avoir besoin. On va tout de même essayer de regarder. Ouh, un petit billet. Ouh, c'est cool. Oh, on peut faire vachement plein de choses. Voilà. L'alcool raisin, nana. Quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez des points de santé. Ouais, tout le reste, on en a pas besoin. Alors. On y voit pas grand chose avec toute cette fumée là. Ah, ça doit être là, la porte. Le ver de terre relève la tête et voit le visage de Dieu. Regardez autour de vous. C'est un vrai congrès de vers de terre ici. Ils avaient tous des parents, des proches qui les aimaient. Ils étaient mariés. Ils baisaient leurs épouses. Oh. Pourquoi pensez-vous que vous êtes différent? Je n'ai pas encore décidé où je vous accrocherai. Dites-moi si vous avez une préférence. Ouais, non, merci, hein. J'ai pas trop envie d'être empalé à coups de... à coups de harpon, là, dans la tête. C'était un petit peu glauque. On va essayer de fouiller un petit peu tout ce qu'il y a donc dans cette zone. Et il y avait un gros interrupteur, vous inquiétez pas, je l'avais remarqué, pour ouvrir la porte de Ryan. Quelle est la différence entre l'homme et le parasite? L'homme bâtit, le parasite demande « Où est ma part ?» L'homme crée, le parasite s'interroge « Que vont penser les voisins ?» L'homme invente, le parasite déclare « Attention !» Vous risquez de marcher sur les pieds de Dieu. Belle vision des choses. Écoutons celle-ci. Je n'ai jamais tué personne, et encore moins un camarade. Mais les choses sont ainsi. J'ignore si en tuant Monsieur Ryan, je mettrai fin à cette guerre, mais je sais qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'il vivra. J'aime beaucoup Monsieur Ryan, mais j'aime encore... Oups. J'ai tapé ce singe immonde pendant 3 semaines, mais il a enfin parlé, et je sais comment arriver à Andrew Ryan. Il faut provoquer une surcharge sympathique dans le noyau harmonique numéro 3. Ah, mais et oui. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est une surcharge sympathique. Et encore moins ce noyau harmonique numéro 3. Ça doit être facile pour un ingénieur. Moi, je dessine des chaussures pour femmes. Dommage. Il faut que je retourne voir les mécanos au centre de contrôle de perte thermique pour voir ce que je peux en tirer. Ouais, bah alors tu permettras, moi j'active le levier, hein, c'est plus simple. Tant de parasites ont essayé de profiter de ce qui n'était pas à eux. Oh oh. Je pourrais vous expliquer la science qui rend impossible ce que vous essayez de faire, mais ce serait comme de jouer du Mozart à un crapaud. Ok, donc en gros, il nous a traité de crapaud, c'est pas gentil déjà. Et de deux, sa porte est protégée par une espèce de mécanisme qu'il va nous falloir désactiver, donc en faisant une surcharge du noyau de je sais pas quoi, je sais pas où, patati patata. N'entendez-vous pas l'air remplir à nouveau ses poumons? Ces boutiques qui ouvrent, les écoles résonnant des pensées de nos jeunes esprits. Mais oui. Ma ville vivra, elle prospérera. Et quand ce jour viendra, je prendrai votre pierre tombale pour paver ses rues. Ah, c'est pas très gentil tout ça. Oh la vache! J'avais pas vu qu'il en reste un dernier. Ouais, donc franchement ta ville, je pense qu'il y a peu de chances qu'elle se relève, hein, après tout ça. Surtout vu le nombre de fuites incroyables qu'il y a dans le plafond, vous imaginez. Limite, vous avez une fuite de votre chasse d'eau, bah c'est rien du tout comparé à... Oula, à ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a la caméra qui a fait un truc bizarre. Oh, on entend les dauphins. Le mensonge d'Atlas et de ses parasites. Rapture est en plein essor. Tout à fait. C'est un petit peu de la propagande tout ça. Ouh, c'est très joli ça. Oh oh. Ah, on va les laisser s'entretuer un petit peu. Ouh, ouh, il a pris cher. Il a bouffé le mur. Et il recule. J'ai rien à voir là-dedans moi. Oh. C'était beau ça. Ouf. Il se fait encore enchaîner. On va prendre quelques photos, on va en profiter. Hop, hop, regardez, il y a la petite sœur dessus. Augmentation des dégâts de 50% avec la clé anglaise. Oh, pourquoi pas. Hop, il a encore volé celui-là. Bon, on va l'aider à l'achever parce que quand même... Oups. Je l'ai raté.
Allez, voilà, tue-le, hop. Parfait. Ah, attendez, par contre, lui... pas trop envie de le laisser en vie. Bon, bah, c'est dommage. On va lui faire une petite surprise au Big Daddy là-bas. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oust! Oh là là, mais il craigne pas en plus. Recule! Ah! Ok, bon, il va se prendre la surprise tout seul, voilà, c'est parfait. On va plutôt lui... ouais, on va plutôt faire ça. Ouille! Ah, je pensais qu'il serait mort, tiens. Parfait. Donc oui, j'avais prévu qu'il allait me foncer dessus au corps à corps. Vous avez vu ça, c'est un Big Daddy qui n'avait pas d'arme à feu. Donc j'ai mis les pièges sur le chemin. Je pensais que 3 pièges ça suffirait. Vu qu'on avait amélioré notre arbalète, mais... Et j'en ai fait de bien plus terrible encore. Merci de me rappeler qu'il reste encore un peu de lumière dans ce monde. Je t'envoie une petite sœur. Wow. Ah, il y a un truc là. Ah tiens. Merci, donc une petite sœur, c'est très cool. Je sais pas quand on va la croiser. Je suis très étonné que Fontaine n'ait pas été incommodée par sa propre chute. Le soir du Nouvel An, ces misérables crozos m'ont envahi les maisons et pris d'assaut les fameuses barricades. Les morts pourrissent dans les rues et tous les citoyens font la queue pour avoir des plasmides. Tout est bon pour repousser la foule. Ah ah. Bon, alors là, on doit chercher donc les fameux pièges à désactiver. Oula, attendez, il y a un truc qui m'a repéré là. Qu'est-ce que c'était-ce? Il y a une caméra. Ah oui, il y a une caméra ici. J'avais pas vu. Hop, on va la détruire celle-ci aussi. Parfait. Par contre, en revanche, j'entends du bruit un peu partout. Ils sont vraiment pas loin. Vous savez qu'on est en guerre, les gars. Si vous assurez pas correctement la maintenance des protecteurs, ils consomment autant de R34 que les entraîneuses du jardin d'Ève consomment de pénicilline. J'ai les gorilles d'Atlas sur le dos sans arrêt, et 2 mécanos sont morts cette semaine. Il faut qu'on arrive à contrôler les coups. Si je voulais avoir affaire à des amateurs, je serais resté à terre. C'est ça. Bouffe. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Qui dit ça? Qui a parlé? Qui? Il y a vraiment des gens dans tous les sens. Alors j'ai vu un truc pour améliorer ces armes là-bas. Laissez-moi 2 petites secondes. On va faire étage par étage. Parce que sinon, on va vite se perdre. Alors lui, il nous a pas remarqué. On va en profiter. Hop là! One shot. Ça c'est bon. On a eu quelques kits de soins du coup. Il y a ces barils bleus un peu partout. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je crois que ça sert plus loin dans le jeu. Enfin, plus tard dans le jeu. J'avoue que j'ai un doute. Ça doit pouvoir se ramasser. C'est du napalm. Alors lui, il est mort. Là, il y a une espèce de machine bizarre. À savoir que Rapture, d'ailleurs, est construit au-dessus d'une zone volcanique pour se servir donc... Oh, parfait. De l'énergie, donc du volcan comme énergie, tout simplement. Hop, donc toi, c'est bon. Merci pour le petit cadeau. On va plutôt prendre le napalm. 200, 4 seringues et mine de proximité. Ok, c'est top. Chut. Cette musique était chaude. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer du coup? On pourrait... Ah, j'hésite entre la cadence de tir du fusil ou la réduction du retour de la mitraillette. La cadence de tir du fusil, ce serait juste cheaté. On va faire ça, tiens. On va essayer de s'en servir limite comme mitraillette, on va voir ce que ça donne. Ah ouais. C'est plutôt puissant. En effet. Alors. Emplacement. Santé. Eve. Toujours le faire, ça. Archélectrique 3. Allez, soyons fous. Armure corporelle, patati patata. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter d'intéressant? Le piège à vortex, je l'ai pas trop utilisé pour l'instant. Le leurre, c'est sympa aussi.
C'est vrai qu'il y a plein de plasmides que j'ai pas trop utilisé, mais c'est pas trop mon truc les plasmides. Moi je préfère me défouler avec mes armes à feu. On va acheter ça. Voilà ça. Et on va conserver ce qui nous reste. Donc il faudra que je réattribue donc un petit peu les emplacements que j'ai débloqués. Elle était un petit peu piégée cette machine. Oh ouais, un outil de piratage automatique. Ah non mais elle est... Ah! Elle est encore piégée. C'est pas possible ça. Je me suis fait avoir deux fois par le même piège. Ah mais ça descend encore ici. Bon la flèche ne va pas du tout par là. Oh! Where is where? Viens par là toi. Hop là, hop là. Parfait, et regardez, une machine. J'espère que celle-ci est pas piégée. Là, ils ont légèrement défoncé ce machin. Je sais pas trop ce que c'est. Une caisse. Hop. On va voir ce qu'on peut acheter. Bâtir une ville au fond de l'océan. Folie. Mais où pouvions-nous être enfin libres de l'emprise crochue des parasites? Où pouvions-nous construire une économie qu'ils ne tenteraient pas de contrôler? Une société qu'ils ne chercheraient pas à détruire? Ce n'est pas de bâtir Rapture au fond de l'océan qui était impossible. C'était de la bâtir ailleurs. J'adore cette citation. En même temps, c'est tellement vrai parce que... Donc, ils ont construit la ville à une époque post-guerre mondiale, hein, pour resituer au niveau de la période historique. Hop! Je me fais défoncer. Il est super résistant celui-là. Oh, et même une photo ça passe pas. Donc le gouvernement, enfin les gouvernements notamment, surveillaient un petit peu tout ce qui se passait. C'est vrai que construire une telle cité avec justement des scientifiques qui se voulaient libres, hein, c'était pas forcément possible. Donc le but était d'exiler donc enfin de tous les scientifiques et tous les gens minimum importants qui ont rejoint Rapture, pardon, l'ont fait en secret. Et c'est un petit peu un miracle, hein, d'ailleurs, qu'ils aient réussi à garder la cité secrète, mais bon. D'ailleurs, il y a quelque chose par rapport à ça, mais je pense qu'il faudrait que je rejoue à BioShock Infinite pour vraiment comprendre, parce que dans BioShock Infinite, la cité volante de Columbia est quelque chose de absolument pas secret, justement, et je sais plus du tout comment c'est justifié. Le fait que ce soit une cité qui a justement eu un rôle dans la guerre et tout ça, je sais plus. Parce qu'il y a une histoire de dimensions parallèles et tout ça aussi. Bon, je vais pas non plus vous spoil si jamais vous n'avez pas joué à BioShock Infinite, mais c'est assez compliqué comme scénario. Il y a eu un truc pas net dans cette zone là. Hein. Ah. Qui a éteint la lumière? Qu'est-ce qui se passe? C'est une mauvaise blague là. Hein. C'est moi ou ça a bougé ce machin là? Il y a des trucs qui explosent dans tous les sens. J'ai pas trop confiance. Attendez, on va se servir de ce plasmide. Est-ce que je peux en mettre plusieurs, moi? Oui, je peux. Voilà, on va en mettre 3. Ah bah, au moins comme ça, s'il y a des ennemis qui nous tombent dessus, bah, le sol est piégé. Hein. Vous êtes mort, vous, hein? Ah, vous êtes pas mort! Au secours! Vite, 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 on va tirer dans le piège. Il est où? Il est là. Hop. J'aurais même pas eu besoin du piège, tiens. Ah, il est pas mort! Hop là! Magnifique. Voilà, ça me laisse le temps de l'achever. Ah, je m'y attendais au coup des ennemis qui se relèvent. Imaginez la volonté qu'il m'a fallu pour bâtir un tel endroit. Et vous, qu'avez-vous bâti? Rien. Vous ne savez que piller et briser. Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes comme un termite à Versailles. Un termite? Je suis pas un termite. Et tout à l'heure, t'as dit que j'étais un je sais plus quoi, un parasite, là? T'es trop méchant. Oh oui, 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 oui. Alors ça, ce sera avec plaisir. Allez, on peut enfin dépenser nos munitions. Enfin, nos... N'importe quoi. Notre argent, je voulais dire.
Ça y est, bah voilà, moi qui arrivais pas à me débarrasser de tout cet argent. Là, au moins c'est fait. Donc encore une fois, toujours c'est cette petite musique, bien sympa. J'ai l'impression qu'il y a légèrement quelque chose qui fait trembler le sol. Je vais vous dire une chose au sujet de Kibourg, c'est des types qui font des longues études. Ils ont tous l'air si intelligents. Sauf que des fois, ils ne le sont pas. Je l'ai fait un peu picoler la semaine dernière. Et au bout de 2 minutes, il commence à me dire que le code de son bureau, c'est la date de l'Australia Day. Maintenant, toutes les semaines, j'y vais discrètement et je pique quelques billets dans la caisse. Il a jamais rien remarqué et c'est pas moi qui vais lui dire. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs bizarres là-bas. Peut-être qu'un jour, j'irai plus loin. Ah, mais regardez, ils sont en dessous, en fait. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Quoi ? Je vais manger du jambon. Alors attendez. Hop là ! Hop là ! Oh oh. Viens par là toi ! Raté ! C'est pas grave. On va ressortir le coup des chevrotines ioniques. Parfait ! Recharge ! Et pim ! Oh, il a balancé celui-là. Parfait. Ah, pour le coup, on s'en sort assez bien sur les protecteurs ces derniers temps. Ça compense l'époque des protecteurs enragés là qui nous tombaient dessus toutes les 2 secondes et qui nous a fait perdre deux fois. On a eu 2 game over à cause des protecteurs enragés. Hop, on en profite. Ah, c'est dommage, j'ai retiré le fortifiant qui améliorait nos photos. Ça marche plus. Du coup, c'est pas aussi efficace qu'avant de prendre des photos. Oh, oh, je l'ai mis un piège dans la jambe, tiens. Elle s'est dépassée avec le piège. Alors, on va ressortir les carreaux de base. T'es où? Viens! Bouffe-moi ça et ça! Oh non, elle est en vie! Elle est toujours en vie. Ça va mieux. Oh, regardez, elle se soigne. Ah, mais c'est pas possible, elle a combien de points de vie ça? Alors lui, on va le prendre en photo. Ah non, lui non plus, on peut plus. Oust. Ah, ils sont vachement résistants les ennemis aujourd'hui, tiens. Attends, je les ai tous... Bon, finalement, je les ai tous pris en photo, donc... C'est plus vraiment une question de photo ou pas. Ah, est-ce que tu es mort, toi? Oui, bon, toi, t'es mort pour le coup, hein. Maintenant, je vais tirer sur tous les cadavres que je croise, voilà. Toi aussi, t'es mort. Oh! Ah bah, t'es mort et t'es remort, hein. Tu t'es fait aspirer par... par l'engrenage, mon pauvre. Paix à ton âme. Doudou doudou doudou. Le coupe-circuit est là-bas, ouais. Bon sang. Pourquoi Ryan ne s'en occupe pas? Parce que Monsieur Ryan a des choses plus importantes à faire que de venir renforcer la loyauté dans nos rangs. Salut Fontaine de ma part. Oh, tu es perfide. Ouch. Ça va faire mal. Ouais, est-ce que je vais être capable de pirater ça, au moins? Ah non, là c'est raté déjà. Hop, hop. On peut retenter. C'est vachement compliqué à pirater ça. Allez. C'est pas non plus infaisable. Je pense qu'on peut y arriver. Oh là 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 là. Pas infaisable, mais... Oui, 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 parfait. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on avait pas fait un petit piratage. Ouh. C'était limite. On va, tiens, se soigner. Enfin, remonter un petit peu notre jauge dev. On a du coup désactivé l'électricité. Rapture renaîtra avant que le dernier rat ait fini de grignoter votre dernier lambeau de chair. J'ouvrirai le défilé. Qui est-ce? Diront-ils en montrant du doigt la misérable forme accrochée à mon mur. Qui est-ce? Mais c'est moi. Je sais pas comment je m'appelle, mais c'est moi. J'ai supplié Monsieur Ryan d'offrir Fontaine Futuristics aux hommes d'Atlas comme cadeau de paix. Mais ce crétin n'a pas voulu entendre raison. Au lieu de ça, il injecte des plasmides de plus en plus puissants à ses acolytes.
Il y a une course à l'armement ici, à Rapture. Mais il ne s'agit pas de savoir qui construira le plus gros canon ou la plus grosse bombe. C'est à qui passera le plus vite de l'état d'être humain à celui de monstre. Ok. Donc quand Ryan s'est donc emparé des industries de Fontaine, qui lui faisait concurrence et qui faisait donc les plasmides, visiblement il en a profité pour se booster un petit peu lui-même et tous ses amis. Hein. Donc tout le monde est devenu de plus en plus fou. Hein. Les caméras de sécurité, hein, c'est moins. Non, c'est pas non plus très utile. Mettez plus de temps à nous repérer. J'ai pas fini ma phrase, mais c'était ça. J'ai pas reconnu la cinglée qui est venue à la boutique aujourd'hui. Elle avait une sacrée paire de Robert. Et drôlement bien sapée. Non mais où? Elle cachait bien son jeu, mais il y avait pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour s'apercevoir qu'elle avait pris les trucs costauds. Elle m'a posé des questions sur les serrures magnétiques et ce genre de trucs. J'ai fait comme si de rien n'était, mais elle a fini par m'affranchir. Quand elle m'a tout déballé, je lui ai dit d'aller voir Kibourg aux ateliers. Ah, Rapture est devenue un enfer. Mais la grande chaîne a parfois du bon. Alors, faut qu'on aille voir machin dans les ateliers. Il y avait pas un bureau, un truc comme ça, fouillé ici? On a ramassé un... Hein? Attendez, c'était quoi ça? La cigarette, ça servait à rien. On avait ramassé un journal audio là qui nous parlait d'un code qui faisait référence à je ne sais quoi. Un événement X ou Y. Ça explose ça si on le balance? Non, on peut même pas le ramasser. Bon, du coup, on est venu là pour rien en soi. Un homme bâtit une ville au fond de l'océan. C'est une merveille. Un autre homme s'écrase à bord d'un avion juste au-dessus de cette ville au beau milieu de l'océan. Là, il s'agirait davantage d'un miracle. Comment il se la pète? Je vais garder notre ami là, pour nous protéger. Aïe! Bah voilà, il nous aura protégé. Mais oh! Oh, joli! Il a fait un double salto arrière. C'était assez magnifique, un salto électrique. Je lui mets 10 sur 10 au niveau de sa prestation. Alors, là non. Il reste une fillette encore hein, dans cette zone. Bonjour, faites comme si je n'étais pas là. Et cette fois-ci, ils veulent qu'on se rende ici. Wouah! Bouteille en métal ou quoi? Il a fallu 3 balles pour qu'elle explose la bouteille. Ah, attendez, il est en train de prendre une petite sœur là. Ah non, j'ai rien dit. J'ai cru que c'était un tuyau là. Vous savez qu'elle se cache dans les tuyaux, les petites sœurs. Atelier, donc les ateliers. Ah, c'est vraiment joli ces décors. Oula, oula, oula. Que se passe-t-il là? Ah, il y a une tourelle. Priez, je suis son instrument et ça... Oust, je regarde le combat. Me dérangez pas. Ouf. Eh, elle brille, regardez. Alors, hein, j'ai plus de munitions de... Oh, on dirait qu'elle aime bien se faire frapper, tiens. Ah oui, je confirme, elle aime bien. Ça se préparer. Bon, c'est bon, tu l'as tué ou pas? Bon. On va l'aider un petit peu. Voilà. Hop, hop. On ressort ceci. Hop là, esquive. Hop là. Oui. C'était pas gentil ça. Non, mais oh. T'apprends les bonnes manières, toi. Et parfait. Donc, on a récupéré les 3 petites fillettes. Ça aurait été rapide. Hein, pour le coup, les 3 fillettes de ce chapitre. Petit bug de son. Merci. De rien, alors ne pars pas tout de suite. Reste là. Oh là là, ces enfants qui ont la bougeotte là, c'est pas possible. J'avais même pas pris toutes mes photos. Une tourelle qui se balade comme ça, tranquille. Un petit truc, un petit machin. Hop, un pistolet. Une mitraillette, pardon, j'ai rien dit. Ah, c'est drôle parce que dans les ateliers, il y a tout et n'importe quoi. C'est... Il y a des trucs, des armes dans tous les sens, des cadavres dans tous les sens, des gens qui se tapent dessus dans tous les sens. Et... Oh, regardez, il y a même un cadavre là-dedans, quoi. Mais c'est pas possible, toi. Oust, oust, hors de ma vue. On peut même plus fouiller les casiers tranquilles.
Alors toi, c'était la fille qui aimait bien se faire frapper, là, hein. Allez hop, un petit piratage automatique, on se fait plaisir. Ah, on va rejouer un peu l'arbalète, on a un maximum de carreaux là. On va en profiter. Ah, si on peut d'ailleurs fabriquer quelques piratages automatiques, je dis pas non. Voilà, parfait. Ça c'est top top top. Hey, regardez, il y a un truc là. Oh, ouh, j'ai vu. Pourquoi mon curseur est devenu rouge comme s'il y avait un ennemi? On va essayer de passer au-dessus. Ouch! Ouais! T'es mort, toi? Ouais. On va essayer de pousser la chaise dans le piège, là. Oh! On a failli se la reprendre sur la figure, ça aurait été dommage. Allez, allez, hop là! Allez! Ouch! Ok, c'est bon. C'était juste au cas où. Ça n'aura pas servi à grand-chose. Un petit billet de 3$. Pas de cadavre. Pas de cadavre. Et là-dedans. Oh, un billet. Jackpot. Oh yeah. Alors. Non mais finalement on a récupéré tout notre stock de munitions. Ah c'était lui là, c'était lui. Oh je l'ai raté. Je suis sûr qu'il était pas mort lui. Il avait une tête de mec en vie. Oh. C'est bon, c'est bon. On a géré. Ouh, alors ça, c'est juste trop tentant. Allez, bim! Le bureau qui explose. Aïe! C'est chaud. Les chromosomes de Ryan sont en train d'emmener la jeune femme. Je suis sûr que c'est une espionne envoyée par Ryan pour me surveiller. Enfin, c'est ce que je crois. Si je me trompe, une innocente finira en trophée sur les murs de Ryan. Si j'ai raison... Il faut que j'ai raison. L'appareil est presque terminé. Je ne peux pas me laisser aller maintenant. Je ne dois pas. Comment je fais pour prendre tout ce qu'il y a là-dedans, moi? Il y a même un journal audio, là. Attendez. Ouais, je peux pas, en plus. Hein. Comment je suis censé faire? Donc, l'autre mec est en train de faire un appareil. Ah, mais il y a un passage, là. Ouf, ouf, ouf. Ah, berk. Un petit nounours. Ah, bah, ça mène pas du tout là où je pensais. Donc non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'avais pas remarqué qu'il y avait un cadavre ici. Comment je fais pour aller ici? Mais je peux pas, en fait. On peut rentrer, hein. Faut un code. Faut un code, mais on peut pirater l'accès. Mais on va attendre, voir si on n'a pas le code juste après. C'est bizarre. Faudrait que je me souvienne qu'il y a un passage sous l'escalier, au cas où. Voilà, le petit cadavre, tranquille. Ne te relève pas. J'ai une chaise! Alors me cherche pas, hein! Qui c'est qui a fait du bruit? Ouais. Y'a personne. C'était juste un petit coup de pression comme ça. On va fouiller du coup un petit peu toute cette zone. Et on va bientôt s'arrêter d'ailleurs, je viens de voir le temps. Il y avait une sorte d'arbre fruitier qui tournait comme une toupie en versant du jus dans la gorge de Ryan. Et le jus étouffait cette ordure. Ce n'était pas vraiment un arbre, mais le noyau de contrôle. La machine qui alimente les serrures magnétiques de la porte de Ryan. On ne peut pas couper le courant. Il vient directement des cheminées volcaniques. Ryan a toujours du jus. Mais j'imagine qu'on pourrait noyer cette ordure dedans. Tuer quelqu'un en le noyant, c'est un petit peu horrible. Ah, là voilà la fameuse machine. La machine qui permettrait donc de faire surcharger le noyau et donc de pénétrer dans la demeure de Ryan. On va écouter un petit peu comment assembler cette bombe et on se laissera juste ensuite. Le boîtier est prêt. J'ai une charge de nitroglycérine dans mon bureau qui servira de catalyseur. Maintenant, il me faut 4 embouts de câble R34 pour neutraliser le circuit. Et une demi-boîte de précipité ionique. C'est ce qui fait détonner le mélange. Ça devra activer le mode compensation du noyau, faire baisser la puissance sur la ligne et déclencher le coupe-circuit de la porte de Ryan. Enfin, en théorie. Soit ça marchera comme sur des roulettes, soit la moitié de rapture y passera. Qui ne risque rien. Oh, ça a l'air assez simple tout ça. Eh bien, nous aurons donc l'occasion de chercher tous ces composants pour l'épisode suivant. Donc on va essayer de terminer la bombe IEM, hein, pour désactiver donc l'apport en électricité.
de cette fameuse porte là où il y avait des cadavres un petit peu empalés dans tous les sens. On est assez proche de la fin du jeu, je pense qu'il nous reste encore 4 épisodes avant la fin du jeu. Donc mine de rien, il fallait bien qu'on y arrive, hein, avec des épisodes de 40 minutes, des épisodes assez longs. Le prochain Let's Play d'ailleurs, j'essaierai de faire des épisodes peut-être un peu plus courts, parce que c'est vrai que là j'avais envie d'aller assez vite à la fin du jeu, pour changer et passer à un autre jeu. Mais voilà, pour l'épisode, enfin pour le Let's Play qui suivra, on essaiera de faire durer un petit peu plus le plaisir. En tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite remarque ou un petit pouce bleu. Et donc, à demain pour la suite de notre aventure. Allez, ciao tout le monde.